Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, admirable dans tes seins. Sauvez-nous qui te chantons. Alléluia. Venez. Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Fils de Dieu, admirable dans tes saints, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est enfin, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Fils de Dieu, admirable dans tes saints, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Fils de Dieu, admirable dans tes saints, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Fils de Dieu, admirable dans tes saints, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles, amen. Fils de Dieu, admirable dans tes saints, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu. Sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Hymne de Saint Clément de Rome, page 16. Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Par lui, il nous a appelés des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance de sa gloire. Nous mettons notre espoir en toi, principe de la création. Tu as ouvert les yeux de nos cœurs afin qu'ils te connaissent. Toi, le seul très haut dans les cieux, le Saint qui repose au milieu des saints. Tu multiplies les peuples de la terre, au milieu d'eux tu as choisi tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui tu les as enseignés, sanctifiés et glorifiés. Nous t'en prions, sois notre secours, notre défenseur. Sauve les opprimés, prends en pitié les hommes.
naissance, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Psaume 72. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Mes enfants, Dieu est bon pour Israël, le Seigneur pour les hommes au cœur pur. Un peu plus mon pied branché, rien et mes pas glissés. Envieux que j'étais des insensés, en voyant le bien-être des impies. Violence, le vêtement qui les couvre, la malice, leur sang de la graisse, l'artifice, le déborde du cœur. Il éclaire, il prône le mal, autrement il prône la force. C'est pourquoi mon peuple va vers eux, des eaux d'abondance leur adviennent. Ils disent, comment Dieu saurait-il, chez le Très-Haut y a-t-il connaissance? Oui, ils se sont des impies, et tranquilles toujours ils entassent. Quand j'étais frappé tous les jours et j'avais mon châtiment chaque matin, si j'avais dit je vais parler comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils. Rends ton gloire, ô Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Alors j'ai réfléchi pour comprendre quelle peine c'était à mes yeux. Jusqu'au jour où j'entrais dans le mystère, où je pénétrais leur destin. Mais enfin tu les mets sur la pente, tu les pousses vers la catastrophe. Songe au réveil, Seigneur, en t'éveillant, tu méprises leur image. Alors que s'hérissait mon cœur, alors que j'avais les reins percés. Moi, stupide sans comprendre, j'étais une brute de mon temps. Et moi, il restait devant toi, tu m'as saisi par ma main. À ton conseil, tu vas me conduire, puis dans la gloire me prendras. Qui donc aurais-je dans le ciel? Avec toi, je suis sans désir sur la terre. Et ma chair et mon cœur sont consumés, vol de mon cœur m'appartient à jamais. Qui s'éloigne de toi? Ô
pour moi, proche est Dieu et mon bien. J'ai placé dans le Seigneur mon refuge, afin de raconter toutes tes œuvres aux portes de la fille de Sion. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Cantique d'Amos, page 328. En ce jour-là, je relèverai la hutte ébranlante de David. J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin qu'il conquière toutes les nations qui m'ont appartenu. Oh, Seigneur, voici venir les jours où la rose et moisson pressoir et sommeil se suivront de près. Les montagnes laisseront couler leur amour, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ferai revenir les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées, les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre, dit l'Éternel ton Dieu. Et jamais plus ils ne seront arrachés de la terre. Psaume 145. Pour les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Pour les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Loue mon âme le Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Ne mettez point notre foi dans les princes, un fils de la grâce ne peut sauver. Et dans le sauf, il retourne à sa grâce. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais la vérité, il rend justice aux opprimés. Le Seigneur rend les aveugles voyants, le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voix des impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant,
De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Observez que le maître n'exige jamais sur l'heure. Le voilà qui s'éloigne après avoir confié son bien pour nous montrer à quel point il sait attendre. Pour moi, je suis persuadé que la parabole des talents s'applique à la résurrection. Il n'est plus maintenant question de vigne ou d'agriculteur. Tous sont ouvriers. Le maître s'adresse à tout le monde sans exception. Ceux qui vont rendre leur compte déclarent ouvertement ce qui vient d'eux et ce qui vient de lui. L'un d'eux dit « Maître, tu m'as confié 5 talents ». Un autre en déclare 2. Tous reconnaissent qu'ils ont reçu de lui le moyen de faire une action avantageuse, lui témoignent une très grande reconnaissance, rapportent tout à sa bonté. Que répond le maître ? Très bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Rendons-nous attentifs à cet enseignement. Tandis que nous le pouvons encore, prenons en main l'œuvre de notre salut. Faisons valoir le talent reçu. Le serviteur, rapportant l'unique talent qui lui avait été confié, subit la condamnation. Puisque nous le savons, mettons notre argent, notre zèle, notre crédit, tout ce que nous avons, au service du prochain. Que personne ne dise « Je n'ai qu'un talent, je ne puis donc rien faire ». Vous pouvez encore agir valablement avec un talent, car enfin, vous n'êtes pas plus pauvre que la veuve de l'Évangile. Rien ne plaît davantage à Dieu que de nous voir consacrer notre vie à faire du bien aux hommes. Il nous a donné la parole, les mains, les pieds, la force corporelle, l'intelligence et le jugement pour que nous mettions toutes ces possibilités au service de nos frères, pour nous sauver nous-mêmes en travaillant à les sauver. Ses auditeurs pensaient voir le royaume de Dieu se manifester à l'instant même. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme on écoutait Jésus, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et que ses auditeurs pensaient voir le royaume de Dieu se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit.
un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier pendant mon voyage. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » Mais quand il revint après avoir été nommé roi, il convoqua les serviteurs auxquels il avait distribué l'argent afin de savoir comment chacun l'avait fait fructifier. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Le roi lui dit « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire « Ta pièce d'or, Seigneur, en a rapporté 5. » À celui-là, le roi dit encore « Toi, tu seras gouverneur de 5 villes. » Un autre encore vint dire « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'avais mise de côté dans un linge. En effet, j'avais peur de toi. Tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit « Je vais te juger d'après tes propres paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurai repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là « Retirez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » On lui dit « Seigneur, il en a déjà 10. » Je vous le déclare, celui qui a recevra encore, celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Après avoir dit ces paroles, Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il ressuscite la force du salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est notre foi, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. C'est l'ange notre Père Abraham de donner à franchir la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et
guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, prends pitié de nous. Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, prends pitié de nous. Tu as ouvert les yeux de mon cœur, et j'ai vu ton jour très saint, et ta lumière a dissipé toutes tes ténèbres de vent. Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, prends pitié de nous. Dieu trois fois saint, nous te louons, Saint et le Père, source de toute sainteté, Saint et le Fils, image du Père invisible. Saint-Esprit qui sanctifie toute la création. Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.